Salut les gens, vous vous souvenez? Mangez-moi, 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 la chanson. Eh bien ici, c'est le contraire. C'est mange qui peut, avec comme sous-titre dévorer ou être dévoré. Et celle que l'on a l'habitude de dévorer, mais des yeux, c'est Madame Mathilde, qui est à mes côtés, et qui est venue nous présenter ce jeu, qui sera donc vendu par Gigamic. Un jeu de Maëlys Lover, je ne sais pas très bien comment ça se prononce. Lover, ouais, Lover, ouais, tu vois, c'est Lover, quoi. Et puis, qui se destine donc à la jeunesse, non? C'est quoi? C'est À la familial? famille, C'est la ouais. famille. 8 ans plus, 1 à 6, 1 à 6 joueurs, on peut même jouer tout seul, dis donc. Oui, au bout, 20 oui. minutes, donc c'est super rapide. C'est quoi? Ces petits jeux idiots, c'est ça, pour rigoler? Ou, Idiot, mais pas que. mais pas que. D'accord, mais pas que. Tout à fait. Donc ça, ce que j'ai là, c'est un proto. C'est un jeu initialement fabriqué par Brain Games, qui viennent de ce qui sont lettons, je crois, peut-être. Oui, ils sont plutôt à l'est, quoi. Ils sont à l'est. Ils Ouais, sont carrément à complètement à l'est. l'est. Et on va voir ça, puisque de toute façon, il va s'agir de se manger les uns les autres, si j'ai bien compris. Plus besoin de la boîte, je Non, l'arrange par devers lui. voilà. Et vous allez m'expliquer ce qui s'y passe. Nous avons donc des petits plateaux ici, co bien colorés hein, au niveau des illustrations. Hein, ça pète un petit peu. Hein. Oui, Ah ouais, alors. je donne mes impressions là. Mais C'est non, mais je vois. comme Mais ça tu sais vient qu'on là. lit à travers toi. C'est ça. Oui. Moi, j'ai écrit des Des petits petits lapins. lapins, Oui, là. ça se mange aussi. Alors, il y a trois plateaux. Et qui représentent chacun une ligne de chaîne alimentaire. Donc le Le hérisson mange mange des le loups. Ah, crapaud, pardon. On dit dans ce mais sens-là. dans ce sens-là, c'est mieux. Ok. Le hérisson mange le crapaud qui mange la mouche. Par D'accord. exemple, le loup mange le lapin qui mange la carotte, le chat Ouais. mange la souris qui mange le fromage. Ça, c'est bien. Ça apprend aux enfants un petit peu ce qui se passe dans la Voilà, vie. dans la... Ouais. Et ben, par exemple, moi, le hérisson et le crapaud, je ne savais pas que les hérissons mangeaient les crapauds. Moi non plus. Ah. Que tu connais très peu de hérissons, Ben, c'est personnellement. ça, c'est qu'on ne se pose pas forcément la question. On va avoir chacun un deck de cartes avec ces mêmes animaux représentés une fois. On a Alors, tous le même deck. je vais vous montrer un petit peu. Par exemple, moi j'aime bien la tête de la grenouille, qui est quand même assez hilare. Oui. Voilà. La souris, on sent qu'elle est petite, elle n'en mène pas large. Par contre, le hérisson, on voit bien que c'est un super prédateur. Et que le lapin, pas tellement, enfin juste envers les carottes. Pas Mais j'ai trop. pas de carottes dans les mains. Ah non, t'as pas, on n'a J'ai pas pas la de. rangée du D'accord. bas, Bon, regarde. je ne vais pas tout te montrer. On n'a pas la rangée du bas. On n'a On pas n'a la pas, rangée du bas. on ne prend pas la bouche. Alors, en fait, on n'a que des prédateurs, On n'a que les pas des prédateurs. prédatés. D'accord. D'accord? Alors que sur les dés, on a toute la partie basse du plateau, c'est-à-dire Ça, que toutes les choses qui peuvent être rien que ça mangées. vaut le coup. Regardez, c'est le dé Les carotte. dés carottes. Ouais. Et ça, vous avez avec le dé Mickey. Voilà. Voilà. Des kawatch, des Mickey. Donc il Allez. y a quoi? Il n'y Ça a que reprend des tous les choses qui peuvent être animaux? mangées. Ah, ça, c'est que les choses qui peuvent être Et là, mangées. et dans les cartes, il n'y a que des choses qui peuvent Ah, Mickey, c'est manger. la souris. Et on retrouve les petits logos Ben voilà. sur le plateau de Sur le jeu. plateau, c'est bien Des fait. fois que les enfants, ils oublieraient. Parce que ben, les enfants, ils vont être très tristes quand ils vont apprendre que le chat mange Mickey. Hein. Enfin bon, moi je dis ça, mais enfin. Ils vont pouvoir défendre Bien sûr. Ah, Mickey. bah oui, Enfin, d'accord. bon, ouais. Bon, je vous rends les dés. Oh, Mickey, il est chiant. Alors, la partie, elle va se jouer en trois rounds, durant Oui. lesquels on va jouer toutes nos Three cartes. rounds. Three rounds, when we play on the cards, ok, yeah, ok. On va commencer par lancer tous les dés, qui vont Il y en a combien? déterminer combien que c'est qu'on mange. Bah, Elle est habile. je sais plus. Du coup, C'est aussi un jeu d'habileté. non mais, je suis foutue. Hop! Et on met bah, Mickey sur Mickey, lapin sur lapin, voilà, par exemple. Ça me Zou, plaît beaucoup, ça. Mickey Mickey, sur Mickey. Mickey, lapin sur lapin et carotte sur carotte, non? Carotte sur Bien carotte. sûr. C'est la vie, Ouais, hein? C'est la vie, après tout. Ce n'est mais pas sale. tu vas être déçu, il y a surtout de la mouche là. Ça, c'est le butin possible pour cette fois, pour cette manche, pour D'accord. ce round Le complet. butin, qu'entendez-vous par là? Les choses qu'on va pouvoir manger. D'accord. D'accord? Ah oui. Pour manger quelque chose, il faut se placer au-dessus. C'est-à-dire que si je veux manger les lapins, eh bien, il faut que je joue le loup. D'accord, c'est logique. C'est logique. Si je joue le lapin, je vais pouvoir manger la carotte. Bien Mais sûr. s'il y a un loup, il va me manger d'abord. Et je ne pourrai pas manger ma carotte. Ah oui. Et je vais être foutue dessus. Si on est deux à jouer le loup, on va se partager les lapins. Ce qui est bien, mais pas top. Oui, non, c'est pas bien. Si Partager, c'est pas bien. partager, c'est moins bien. Si on est deux petits lapins pour une seule carotte, Oui. et ben comme on est fair play, ben, il ne se passe rien, on laisse la carotte, on s'en va. Ah oui. Ils sont Sachant cool. que Ils sont donc, cool les lapins eux, ils là-bas sont parce cool. que.
Sachant que chaque animal va pouvoir le jouer une fois durant la manche. D'accord, mais alors, par exemple, là, c'est super intéressant, les mouches. Oui, mais on va On peut-être tous se mettre dessus. Alors, j'aurais tendance à dire que le jeu, il prend quand même un peu plus cette dimension à 3, 4, 5 et 6. Eh oui, Parce qu'il parce y a que là, les beaucoup plus de partages, confrontations et effectivement. voilà. Là, c'est vrai qu'on pourrait se dire, de toute façon, au pire, on va partager. Mais manger l'autre, c'est sympa aussi. Parce que à chaque fin de round, donc quand on aura joué toutes les cartes, on va compter un point pour chaque dé noir qu'on aura récupéré, Ouais. 2 points pour chaque dé rouge qu'on aura récupéré, donc autant dire que là, la mouche, ça dégomme, Ah oui. et aussi un point pour chaque carte qu'on a récupérée. Alors, les siennes, si j'ai réussi, ben voilà, personne n'a joué le hérisson, t'as pas joué Si. le... Non, t'as pas joué, pour l'exemple, tu n'as pas joué le hérisson. Ah bon. Donc, par exemple, Parce j'ai joué que la grenouille en ici. fait, c'est ce que je comptais jouer, moi. Ben oui, je me doute. Mais là, donc, t'étais pas là. T'étais Bah, au cabinet, d'accord. d'accord? T'es parti. Donc, je joue mon crapaud, Ouais, d'accord? t'as de la Je chance. récupère toutes les mouches T'as de la et chance. ma carte crapaud. Ça veut dire que, donc, à la fin, Parce je que vais du coup, avoir mais tu les penses points sérieusement que mouches. je t'aurais laissé faire ça? Non. J'aurai les points mouches et un point pour ma carte crapaud. Bah oui. Donc, je vais aussi essayer, on va essayer aussi de manger les cartes de l'autre. Parce que si, par exemple, Alors, t'es comme ça, et là, je peux évidemment, jouer t'as mon joué le hérisson. hérisson. J'ai joué le hérisson. Eh bien, avant que je mange les mouches, Oui. tu manges ma grenouille. Et donc, tu me voles un point. Et en plus, moi, je n'ai pas mangé mes mouches que tu vas pouvoir manger Bah après. oui, parce que moi j'ai pas Sauf joué mon si... Oui, crapaud. mais moi, j'ai pas joué mon hérisson. Ah oui. Tu vois? D'accord. Tu Donc il y a un comprends? petit côté double Et guessing. ouais. Je pense que tu Je penses que pense que tu tu vas penses que jouer ça. je vais Ok, là. je vois la Et plus on est finesse. fou, plus il y a de riz, quoi. Tiens, je prends ton vilain crapaud. Mon vilain crapaud. Et ben, c'est tout. D'accord, on va essayer. Bon, on va refaire un autre tirage parce que là, on a déjà beaucoup parlé sur ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire. D'accord. Donc, Je te laisse gérer. va y avoir du méta-jeu. Oui, c'est vrai, hein. Faut quand même des grosses mains, hein. Vous partagez, hein. Voilà. Allez. Du Mickey, du Mickey. Voilà, ça c'est déjà un tirage Ouais. à peu près C'est raisonnable. pas mal. D'accord, donc là effectivement ça peut être drôle. Ça peut être drôle, mais ça peut être drôle. Alors, je vais essayer de lire dans tes pensées en jouant ceci. Bien vu. Ah, salopard! Alors, je on vous montre. Hein. Je joue le chat. Mathilde joue la souris. Oh, une bonne souris. Miam, 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 miam. Et tu prends toutes les souris? Pourquoi? Parce que t'as joué le chat. Ah, qui était, la souris avait Ah, parce que tu le déjà. faisais pas Ah pour oui, c'est ça en ça. Voilà, plus. si. Si, tu le faisais pour ça, Oui, évidemment. Évidemment. sûr. Hein? Donc là, ça te fait déjà 6 points. Mais c'est Et ça. moi, tête à toto, quoi. C'est ça. Alors, Punaise. bah, Sa mère. là, je vais Et jouer j'ai plus de souris. le. Non, je vais jouer le loup. Tu vas jouer le loup? Bah oui, moi je Ouais. serai toi, je jouerai le loup. C'est énervant, je ne sais pas. Non, mais je mens tout le temps. J'ai Mais pas je de. sais, mais de toute. Mais tu... je suis sûre que tu mens à propos du fait que tu mens. À propos du fait que tu mens, donc tu C'est vois, ça. Donc, j'ai peut-être joué le loup. ça m'énerve. Mais oui, évidemment. Alors, on y va. J'y Ouais. vais. J'ai pas joué le loup. Bon, alors, bon, tout va bien. Toi, tu manges ta carotte. Ouais. Et moi, je mange mes petits crapauds. Et tu récupères ta carte. Je Et moi, je récupère récupère ma ma carte. carte. Ah, on la récupère, Ah oui, celle-là. et du coup, c'est un point. Parce Très on bien. a sauvé notre prédateur. Très bien. Ben, écoute, c'est simple. C'est simple, qui dit. Ben oui. Bien sûr. Évidemment. Quand je Évidemment. dis que c'est Alors, simple, c'est évidemment, il a simple. joué le hérisson. Moi, j'ai joué comme une bonne dinde de la grenouille. Et du coup, il mange ma Elle grenouille. avait une idée dans la tête, il suffit de la suivre. Voilà. Et j'ai pas mes mouches. Bah non, t'es un hérisson, tu manges pas de mouche. Ah d'accord, Tu mais comme pousses j'ai mangé pas, ton hein. crapaud. Bah oui, mais mon crapaud, c'est quoi le rapport avec la mouche? Tu manges que l'étage d'en dessous. D'accord. D'accord? Soit je t'embête vraiment, soit je me plante complètement. C'est pourri. Ah là là, c'est affreux. Qu'est-ce que tu veux jouer? Alors, je regarde. T'es forcément jouer. Voilà. Qu'est-ce que tu fais avec ton Ben moi, je lapin? récupère ma carte. Juste, tu sais, j'essaie de sauver les meubles. D'accord. Moi, j'ai joué le crapaud, donc je mange les Et mouches. tu manges tes mouches. Et je perds mon crapaud. Non, tu le gagnes. Je le garde. Pas trop bien. Il mange, il est content, il a gagné.
Et non, tu le remets là-bas, si tu le lèves de ta main. C'est ce que je dis. Non, mais... C'est ce que je viens de dire. Je ferai un replay, nos deux. Bon, alors là, maintenant, j'ai une chance sur deux de te manger. On n'a plus beaucoup de cartes, c'est ça. Hein, t'as une chance sur deux de me manger. Bah oui, parce que si tu regardes, parce que comme tout est ouvert, tu peux savoir ce qui se passe. Tu sais qu'il me reste le chat et le loup. Donc en gros, j'ai une chance sur deux. Selon ce que tu choisis. Le loup. Qu'est-ce que tu vas les manger d'abord? Je peux pas le savoir. Bah si, tu peux. Bah je peux. Oh, c'est logique. C'est logique, il me dit. Tu m'énerves. Bah, c'est logique. Imagine, ce qui est le plus intéressant, prends l'autre. Et dans ce cas-là, comme tu sais que... Mais les deux sont pareils. C'est pas tu te fous de moi. En plus, c'est le même nombre de points. En l'occurrence, vraiment. Oh, bah si tu sais pas jouer, tu sais pas jouer, puis bah, c'est tout. Ah d'accord. Hop là. C'est moche. C'est moche. C'est moche qui t'arrive. Alors, le charbon... Bah moi, je récupère ma carte. Moi, je suis pas capot. Moi, bah non, je mange rien, moi. Ah non, tu manges rien. T'as sauvé ton lapin. J'ai sauvé mon lapin. Non, tu le remets là-bas. Je le remets là-bas. Tu le mets pas dans ta main. Et donc, moi, il me reste le loup. Bah oui, autant que je joue le loup aussi, puisque comme ça, on va se partager. Mais il te reste combien de cartes, à toi ? Deux. Mais non, mais t'en as remis dans ta main, t'en as joué plusieurs fois. Mais j'ai peut-être mis la souris entre. D'accord. Et donc, on partage les lapins. Et on partage les lapins, d'accord. Et donc, on compte. Donc, moi, j'ai 4, 5, 6, 7. Donc, moi, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25... Non, tu comptes 26. 8 fois les cartes. D'accord, j'ai gagné. Voilà, t'as gagné cette manche. D'accord. Et on en fait encore. Et on en fait combien ? Et on en fait 3. En tout. D'accord, bah, c'est beaucoup plus malin que, c'est très malin, que ce qui m'y paraît, en tout cas, au début. C'est un vrai jeu de... Alors, effectivement, à 2, c'est plus double guessing que quand on joue à 4 ou à 6, voilà. C'est un peu leur jeu. À 6, ça doit être un petit peu chaotique, mais rigolo. Voilà, exactement. Donc, vous avez le choix entre des parties un petit peu plus intellectuelles, comme celle qu'on vient de faire. Et bon, je me suis un peu merdouillé dans mes cartes, hein, parce que c'était ma première partie. Oui, un peu. Je pense que tu as joué 8 fois, puis à un moment, ça s'est vu. Mais je pense que vous avez compris, en gros, le principe. Je vous remontre la boîte de Manche qui peut dévorer ou être dévoré. Un jeu de donc Mélisse Lover, qui est, ma foi, très malin, qui nous vient donc des pays de l'Est. 8 ans et plus, 1 à 6 joueurs, 20 minutes, quel sera le prix et quand pourra-t-on le trouver? Alors le prix, c'est encore en discussion, entre 20 et 25 euros, quelque d'accord. chose comme ça. Ah, et on pourra le trouver en avril. En avril 2014, 2014 en France. En France d'Europe. En France de Belgique aussi. Voilà, et ben merci beaucoup de nous avoir présenté cette nouveauté, ma foi, fort agréable, effectivement. Enfant-famille, ça peut être sympa. On se retrouve pour une prochaine rétroactive, si vous voulez bien, où on parlera d'un autre truc, en fait.